te chère. Tout est difficile à faire. Mais quand tu es passé, un jour viendra pour toi. Ah. Si tu sors maintenant que tu dis que c'est pas propre, essaie de noter à toi-même maintenant. Quant à moi, j'ai fait mon mieux. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'il doit sortir là où il est fabriqué. Mathurin est couché. Quant à Garcha, il est arrêté de le soleil pour faire le travail. La vie, c'est ce qu'on veut dire dans notre langue. Il y a la collision, il y a la collision, la vie est difficile, un peu difficile, pour monter dans ce montagne, ce n'est pas... On est là. Sana. On est là. Sana. Sana. Patron. Il faut que je t'appelle 10 fois. Je m'excuse pour ça, patron. Tu as fini de nettoyer? Ah, ça reste pas beaucoup, ça reste un peu seulement, patron. Bon, il faut faire vite, là. Okay. La femme doit sortir. Oh? J'ai dit ma femme doit sortir. Tout de suite, patron. Monsieur Traoré. Oui. Le déjeuner est prêt. C'est prêt? Oui. Aujourd'hui, j'étais préparé. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Chaque fois, c'est comme ça. Traoré, je peux aller chez ma mère? Oui, j'avais même averti le chauffeur de t'accompagner. D'accord. Attends. Chauffeur! Chauffeur! Oui, patron! Viens. Bon, voilà ce que tu vas faire. Oui. Tu vas accompagner madame chez sa mère. D'accord. Tu reviens vite pour que je vais au travail. D'accord, hein? Pas de problème. Chose, Sana, il a fini de nettoyer. Oui, je l'avais dit de se dépêcher. Sana. Peut-être. Sana. Madame. Raccompagne mon Abouakar à l'école. Pardon, madame. Tu peux raccompagner Abouakar à l'école. Il n'y a pas de problème, madame. On peut partir, tu viens. Oh. Tu es prêt? D'accord, monsieur. Madame. Oui. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas retarder le chauffeur et tu connais que non, je dois sortir. Non, non. Je me vois seulement avec ma mère. Okay. Après, je me retourne. Doucement. Bonjour, papa. Bonjour. Ça va? Tu es prêt? Oui. Tu es bien parti? Oui. Ok. Hé, hey, chauffeur! T'as pas de capoter ici là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, c'est la serviette qui est ici. Bon, ouvre-moi ici. Tu gagnes, il faut pas durer. Hein. Tu gagnes. Oui, patron. Je dis ne dure pas. D'accord, c'est compris. Ok. Patron, j'arrive. Bon, ne dure pas. D'accord. Tu sais qu'il n'y a personne ici. Je le sais. Ok. Ouais, ok. Je ne dure pas, Inch'Allah. Justo, oui. On peut partir maintenant? Oui. Sois intelligent à l'école, hein?
les choses à votre maman. D'accord. Hein? Il va très bien, il te dit bien les choses. Ah, Dieu merci. Et ma sœur? Ah, ma sœur? Oui, maman. Et? Ma sœur? Ça, c'est ma sœur. Ma sœur, bonsoir. Ça va? Ah, ça va bien? Bien. Mais tu es bien coiffée là. Merci. C'est ma copine qui m'a coiffée comme ça. Et monsieur Traoré? Il va très bien. Mais votre modèle là, c'est moi. C'est Traoré qui m'a fait aussi. Ça, voilà. C'est bon. L'autre fois, je t'avais dit de me donner un bassin, j'arrive, il est venu, je vais laisser ça ici. Non, 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 j'ai gardé un pour toi, hein. D'accord, d'accord. Ne t'en fais pas. Moi, je m'en dis, t'as la... C'est bien brodé, regarde. Et puis, la couleur est tellement civilisée. D'abord. Bleu, bleu, gagné. C'était pour vous dire seulement bonsoir. Ah bon? Et qui est-ce que c'est ma mère, là? Anya wole bara kante sima mbora sabao. Il m'avait dit. Voilà, ça ka yero mena banjuna. Ça c'est bien ça. Ah, iba wa yaro merci animal. Ça commence à aller. L'heure, tu n'entends pas. C'est moi qui ai là-bas l'heure. Ça, je l'ai ça. Traoré. Hey, il s'occupe très bien de moi. Ah, Dieu merci. Ah, hey, nous répète plus ça maintenant. Mais dis donc. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu peux me voir comme ça là, et que tu clashonnes comme ça? Mais ça, Nadir, attention, je n'aime pas ça, tu as compris. Moi aussi, je n'aime pas ça. Toi, tu ne peux pas me coiffer, tu travailles ici, moi aussi, je travaille. Bon, regarde-moi très bien, moi j'ai un emploi, je ne suis pas là pour. Pour un ça, emploi, hein? Chauffeur simple. Attends, moi, je te fais domestique. Fais doucement avec moi. Hein? Allah, encore, moi, tu ne me connais pas, go. Attends, tu ne me connais pas, moi. Je te dis, tu es qui? Je te dis, moi, tu me connais tu pas. Tu es qui alors? Hein? Regarde-moi le façon là, oui. C'est toi tes façons, Borea que tu es. Qui est Borea? C'est toi. Je n'aime pas ça. Hé, hey, Sana. Sana. Patron. Mais. Hé, hey, venez là. Je mais qu'est-ce que c'est avec ce bruit là? Non, patron. Ça arrive. Ton chauffeur là veut se foutre de moi maintenant. Bon, moi je vais à l'école pour aller déposer l'enfant. Je me retourne. Viens, quand je vais rentrer maintenant, derrière moi, il classonne ping. Mon cœur est sorti. Est-ce que ça c'est normal, patron? Eh, patron. Patron, si. Non, non, ça c'est. Non. Non, écoutez. Non, il ne faut pas rigoler sur ça. Attendez, non, il ne faut pas rigoler sur ça. Depuis fort, là, je parle, tu parles. Ah, bon, patron, je parle, tu parles. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est lui qui n'a pas laissé pour toi, il ne peut pas me laisser. Tu veux te foutre de moi? Ah. Je parle, tu parles. Excusez-moi, patron. Quand je dis ça va, tu dois te taire. Patron, lui, c'est un warabadi. Tu fais pas attention, va courir dans ton. Voilà ce que vous allez faire. Faites doucement avec moi. Allez, écoutez. Voilà ce que vous allez faire. Hein? Mm. Vous tous, vous travaillez ici. Mm. Il faut vous aimer, ça, ça n'est rien, ça. Celui qui me provoque. Ce non, non, ça va. Quand est-ce que je te provoque, hein? Je dis ça va. Je dis ça va. Mais pas toi, je dis ça va. Ou bien je te fous à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, la fille, là, c'est qui? Encore qui est Dene. Le poison de Konaki, là, c'est Doudé. Ma quoi, il m'a donné. Quand il est allé à l'église, il a dit que tu m'as fait d'eau. Allez, de la couleur, les cassières. Les cassières à Janikan. Et puis la fille, elle est très belle. Et pour le monsieur, il est un demi-sofolo.
Mais tu as dit que tu as non, il proposait la mener par attaque à mon au tableau. Il va y aller. Il elle ne peut pas être ma domestique. Parce que nous sommes parentés ou bien. Sani, ça c'est quoi? Elle dit, c'est un or. Si c'est l'or, eh ma quoi? Avec les étrangers, c'est pas facile. Ma sœur aime ces étrangers. Eh bien, on s'est rencontrés sur la route. Attends qu'elle ait la mafia dans le bras. J'ai prié sur lui. J'étais avec ma copine. C'est ton mari, go. Et bah, ouais, attends qu'elle ait la mafia dans le bras. Eh, ça mange une sœur. Ah, il donne. Ah, ah. Anya andi la kané furu la fana ma yelema don doni hein ay kala di eh te la gagne ah oui ma benantaro la bonne et pas habité ma couya dia te la belle du balé hein et ben ma fana milo ah ka ma fana ne kala il a kala belle ba il la ki ko fana ni ne fela premier le ah ka ma fana le ah tu sais que tu es noir, tu ne vois pas mettre. Allez, ça va la dernière. Dis-toi le mal là-bas. Mimi, où est la salle? Nous croquons des moussons de Tina. Nous croquons des flanandés. Ibrahim, à la nanine, quand on a la bougna, toi, tu es beau. Ne fana non, mais sois-il, il est mimidé. Yo mendi fe i kebra awala bunya to kibulo i jantare i single mini allo ile le keton dila ke buna siro mtu oui est ce que yanya ila ha oui i jantoro yara mina wi wa boni yere kono liro ini membe gele kele oui. Fasa kele ibrahim makoya eti dala si hine on dire que tu n'es pas dit téléphone ni oh mu ye téléphone ni ka mo kili ka ini mo de kuma atu babudu ye ya ali kuma nyoya koba kwa nyanya tenyo na wangoro yere de kema mana ti di ando se ni ali ya tele ne mesu wa yiwi do ni ndala de ikoro mso ti tole am gore kedi alu bele wala kele ni ara ngura ko foto ta fendi e foto ta fente telefone ni telefone na ma pro ko mi na nya ba ka wali so ali se da ma fale na yendo ka to yiki to ya Oui, allô. Ibrahim. Ça va? Non, non, non. Hier, je t'ai appelé, mais je n'ai pas pu te joindre sur son portable. Il t'a remis la somme. D'accord. Afin, il y a une calva ou la découma. Comme ça, tu peux me rappeler. Je suis avec ma mère. Ah, t'es là, t'es là, t'es là. Ah, tu entends sa voix déjà? Nous sommes en pleine conversation. Comme ça, tu me rappelles la même. Bye. C'est qui? Attends, je vais ouvrir. Non, il ne faut pas ouvrir. Pardon? Président, il faut tourner, je vais sortir encore. Ça va, patron. Madame est venue. Ah, pas encore. Jusqu'à présent. Vraiment. C'est sérieux, ça. Vraiment, ça c'est très sérieux comme ça. Fatigué, je suis fatigué. Ça va? Ouais, patron. Donne-moi de l'eau, je vais boire. Ok. Je suis très fatigué. Tu veux aussi, quand elle va. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait jusqu'à présent, ça. C'est sa maman. Ah. Et puis le matin qu'elle est sortie jusqu'à. Voilà. Ah, mais elle n'a pas une tasse aussi. Ah, patron, comme.
La maison est tellement fermée. Ah, c'est fermé. Madame est fermée là. Ah, oui, c'est voilà. Vrai. Oui. Oui, je suis chez. Ouais, c'est qui? Je suis chez. D'accord, je vais l'appeler tard. Je suis derrière moi. Travaille. Parce que je viens de rentrer aussi. Comment ça va? Assois-toi. Vous allez bien? Ça va, Dino. Ça va ici? Ça va. Allez, Daf, ça va? Ça va, ça donc, va. Donc, tu viens de rentrer aussi? Tout de suite. Je n'ai pas trouvé madame depuis le matin qu'elle est partie chez sa maman jusqu'à présent. Ah, mais là, c'est sa maman. Oui, oui. Ah, tu sais, la femme, quand elle se retrouve. Oui, mais. C'est toujours comme ça. Quand je viens, je vais manger, qui va me servir? Ah, mais il y a deux messes ici. Alors, le jour que madame va voyager, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais elle n'a pas voyagé d'abord. Elle n'a pas voyagé d'abord. C'est pour moi. Tu vois, l'autre fois, quand je voulais faire mes soirs là, tu dis non, non, c'est pas bon. C'est que tu vas. Bon, voilà. C'est justement pareil. Parce que quand tu es habité, c'est pas facile quoi. C'est pas facile mon frère. Sano, tu n'as pas dit Sano aujourd'hui? Depuis le matin, je ne l'ai pas. Depuis le matin. Parce que certainement, il est occupé d'autres problèmes là. Le problème qu'on avait dit là. Oh, mais il m'avait téléphoné qu'il va passer au bureau. Ah, bon, si tu as vu qu'il n'a pas passé, moi, il m'avait téléphoné avant de quitter. C'est lui qui vient de me téléphoner, je dis, c'est ça là. Ok. Bon, l'affaire qu'on a traité là, j'ai déposé ton argent. Le marchandier que tu m'avais donné, j'ai déposé. J'ai confiance à toi. Hein? C'est à ton compte là. Tu as. Rien n'a manqué. Non, rien n'a manqué. Tu as le reçu. J'ai le reçu. J'ai même le reçu. Quoi? Comme d'habitude. Non, je ne sais pas comment te remercier. Eh ben, dis-donc, c'est ça là. La vie, c'est une question de confiance. Sans confiance, c'est pas bon. Je ne sais pas comment te remercier. Vraiment, c'est bon. Bon. J'ai donné. Bon, Sano aussi. Sano aussi dit qu'il va déposer l'autre l'argent à la donner. J'ai dit de récupérer. Parce qu'à chaque fin de semaine, il fait la contrainte. Tu connais le problème de Sano? Non, il ne manquera pas. Mais, dis-donc, toi aussi. C'est ton ami, tu le connais. Ouais, mais lui. Tu le connais? Il sur les problèmes. Ouais, le risque de donner la banque. Ah, ok. Et voilà, c'est ça. Oh, dis-le merci. Cette fois-ci, l'affaire a été très bien marché. Non, vraiment, je te remercie. Non, c'est très gentil. C'est toi qu'on a remercié. Ah oui, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas beaucoup de. Actuellement, il n'y a pas de. Je pense que je peux faire descendre les sacs de riz. Ah oui, oui, bon. Tu vas laisser. Un dans la voiture. Doucement. Tu vas amener ça. Ah. Madame, mais moi, j'ai cherché ça n'a partout pour m'aider. Mais... Sana! Bonsoir. Sana! Comment ça va, chérie? Ça va très bien. Chérie, pour moi. Monsieur Traoré. Mimi, écoute. C'est pas comme ça qu'on s'est arrangé. C'est qui ça? Dis donc, laissez. C'est notre étranger. Quel est étranger? Moi, je ne sais pas. C'est la fille de mon oncle. Il faut faire rentrer la colline. Ça va bien. Sana! Ça va? Sana! Sana, prends ça! Non! Makoué, assois-toi. Assieds-vous là-bas. Oui, assois-toi. Sana, qu'est-ce que c'est? Tu ris pourquoi? Ah, mais ça vaut la quelle. Assois-toi. Sana, c'est la rire, assois-toi. Mais attention, c'est une belle femme. Tu vois comme ça. Et il est content de le voir. Ah, je le sais. C'est là comme ça. Sana, il faut aider le chauffeur à descendre les sacs de rien. Pardon? Tu étais aider le chauffeur à descendre les sacs de rien. Ok. Vous le mettez. Elle va bien. Elle va très bien. Merci. Monsieur Kamara, oui. Comme tu es là, mm-hmm. La fille, c'est la fille de mon oncle. Mm-hmm. Elle est quittée au village. Ah, oui. Comme ça, ma mère l'a proposé à moi. De quoi, de quoi? Qu'elle soit ici, comme je suis seule, mm-hmm. pour m'aider à travailler. Et... Oh, travailler. Mm-hmm. C'est ça. Il faut connaître d'abord la position de ton mari avant de faire rassembler toute ta famille. Ça, c'est pas bon. On dit, on laisse ça. Il a combien de familles ici? Vraiment. Mais qui est là? Il y a Sana ici. Mm-hmm. Combo. Sana est le chauffeur. C'est la vie de son oncle. D'accord, je dis. Et c'est ta fille aussi. C'est ta fille. Je dis d'accord. Alors, c'est ça. Madame, hey, on est d'accord. Elle est la bienvenue. Voilà. Elle est la bienvenue. Traoré, elle s'appelle Makoué. Makoué. Oui, c'est ton père. Ça fait pas bien. Pas le c'est M. Traoré. Makoué, ça va? Ça va. Ça va au village? Ça va. Tiens, c'est toi, hein? Madame. Mets-toi en l'aise. Dis-nous, c'est ça. Ok. Hein? On a ça, c'est quoi? Bon, ça, rendez-vous maintenant. Rendez-vous maintenant. On va dans le passé au magasin. D'accord. Peut-être que c'est sur 17 heures que tu as. Madame, Sana, la petite chambre qui est à côté de la chambre, elle doit loger là-bas.
C'est ma fille. Eh, hey, faut pas dire passe. Reviens, elle s'appelle Makoe. Makoe, c'est ça, non? Hein? C'est moi qui est là. Ouais, ça va. C'est le domestique. Tu peux aller avec lui. Voilà, c'est le domestique. Voilà, c'est lui qui est là. C'est moi qui est là. Sana. Oh, c'est pas mal. Donc, de façon que tu regardes ma fille comme ça, je n'aime pas ça. Quoi. Parce que moi, je te connais. Ah ah. Vous voulez voir ça? Je te connais. Moi, je vais rentrer. Je suis dans la chambre, je suis fatiguée. D'accord, moi aussi, je vais rentrer. Mais il ne faut pas parler avec une autre femme là-bas. Hé, hey, jamais. Je te connais. Tu sais que tu aimes ma. Non, je te connais. Mon amour au cœur. Hein, il connaît. Dis-moi, moi, je te laisse à 16h. Oui, au magasin. D'accord, pas grave. Ok. À 16h, 0. Dans ce cas, je vais appeler Sozo. Si toutefois, ça note à peine, dites rendez-vous. Au magasin. Au magasin. Okay. Hein? Ok. Bon, merci beaucoup. Oui. Si tu le vois aussi, même chose. Il n'y a pas de problème. Magasin, hein? Oui. Bien de choses à la famille. Oui. Ok. Mimi. Mimi. Oui, monsieur Traoré. Prépare-moi, ma chérie. D'accord. Là-bas, hein. Je veux que effectivement, salon soit comme ça. Quoi. C'est ça. Mais tu sais, le problème de salon, je t'avais bien dit. Bon, regarde comment ce que le vieux fait ici. C'est non, bien il organisé. Il n'y a pas de pagaille, rien. Non, non, non. C'est ça. Et puis, il fait le versement comme il le dit. Dans deux jours, là, il n'y a pas de difficulté quand même. Il n'y a pas rien. Ça marche un peu. Tout va très bien. 5 sur 5. Ah, bien, merci. C'est ça, quoi. Ça, c'est 5 sur 5. Ouais, ouais. Bon, dis donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Camara, oui. Voilà ce que tu vas faire. Mm-hmm. Tu vas. Le non. Vieux, oui, oui. Pour lui, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Il hein? n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Non. Maintenant, ce qu'on va faire, mm-hmm. on va aller voir dans la boutique de salon. Mm-hmm. S'il y a quelque chose, s'il n'y a pas, on laisse. Lui et moi, on signe. Je laisse son contrat. Non, 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 non. Non, non je laisse son contrat. Non, le problème de salon, tu es mal placé parce que c'est ton ami. Se reposer là. Non, bravo, non, 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 je n'aime pas ça. Restez, monsieur. Ah, là, je suis content maintenant. Allez, 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 vous pouvez. Ça va. Ça va, Obilas? Ça va très bien. Tu vas bien? Ah, bon, ça ne va pas parce que je suis un peu malade. Hein. Je suis malade, vraiment. Ah bon? Ah. Et le frère, il est là? Oui, il est en train de se reposer là. C'est ma poitrine et mon ventre qui me fait mal. Ah, tu fumes trop? C'est pas à cause de la cigarette. Mm. C'est seulement, je suis malade. Hein. J'ai même oublié. Oui. Le patron est parti voir son ami là. Celui qui fait des affaires pour lui. Ah, son ami, le cours là. Le cours là. Mm. Voilà, il est parti là. Mais bientôt il doit arriver. Hein? Ça va bien? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ici encore? Je ne peux même pas me reposer. C'est le jeune frère de petit patron qui arrive, il est malade. Nous, hein. Mais c'est pas toi, c'est Sana. C'est Sana qui manigance tout. C'est pas moi, madame. C'est moi qui manigance tout. Mais attends, patron. C'est-à-dire, si le jeune frère de patron arrive maintenant, il ne faut pas que je m'amuse avec lui. Tu es venu ici encore, pourquoi? Hein? Tu m'as bien entendu. Mais tu es assis sur ce. Et puis tu me demandes. Je suis venu pour quoi encore? Je ne dois pas te dire. C'est pas chez mon frère? Il y a une foule camp. Villageois qui ah, quitte là. Non, toi, t'es malade. Yo. C'est toi qui es malade. Ah, oui. Et puis enlève tes bagages là sur mon moquette. Sana. Sana. Madame. Sana n'est pas là. Madame. Viens prendre ça là ici. Quoi?
Prends-moi les bagages là ici. Hein? Ne touche pas, laisse ça. Okay. Elle n'a qu'à venir le prendre. Toi, tu es... Moi, je te considère même pas. Si toi, tu me considères pas, si ton frère me considère. Pas de zéro devant si moi. Si mon frère vient, c'est lui qui va prendre ça là ici. Ce n'est pas toi. Je ne sais pas si je vais me retourner à quoi, parce que je suis trop fatigué là. Moi, j'ai même mal de tête comme ça là, patron. Mais ça ne se couche. Eh non, lui là c'est un zéro. Ça... C'est pas ça là. C'est qui? Hein? Là. C'est tonton, c'est quoi alors? C'est quoi? Oui. Tonton. Ça va, le boy. Mais tu te couches ici, pourquoi? Avec ton bagage. Que je suis venu, c'est ici, on m'a... Parce que... Accueilli. Mimi. 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 Oui, monsieur Traoré. Mimi. Tu n'as pas vu mon frère? Elle m'avait vu. Non, elle ne l'a pas vu. On avait même blagué un peu. Mais comment elle peut laisser tes bagages ici? Non, ça va. Non, c'est moi-même qui a décidé de laisser mon bagage ici. Il faut faire rentrer ça. Ça va, frère? Ça va. Ça va bien. Et au village? Bon, le village, là-bas, ça va mieux quand même. Ce que tu avais envoyé, vraiment, ça... C'est rentré. On a reçu, oui. Alhamdulillah. Mon père te salue et ma maman aussi te dit bien des choses. Ils vont bien? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Seulement, c'est moi qui est malade. Ah. Bon, depuis le début de ce 16e-là, je suis malade. J'ai mal à la tête. Mon cou comme ça là, ma poitrine, même mon ventre, mon rein là d'ailleurs, frère, ça ne va pas avec moi. Hein. C'est le travail. Ça ne va pas du tout. C'est le travail. Donc, vraiment, je suis complètement malade. Il fume tellement. Moi, je filme. C'est pas ton problème. Est-ce que c'est toi qui me donnes le prix de ma cigarette? Celle-là est malade, yo. C'est vrai? Ça va. Tigane, tu es là? Je suis toujours là. Et ça va au village? Ça va très bien, oui. Et le véhicule? Ah, ça va un peu. Non, il est. C'est un gars vraiment très sérieux. Hein. Il est bien, vraiment. Ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Bon. Donc, c'est à cause de ma maladie là que je suis venu ici. D'accord, c'est ce n'est pas autre chose. C'est pas grave. Je suis venu pour me soigner. Ah. Vraiment, frère. C'est pas grave, mais la chef de même maintenant. Oui. Patron, ouais. On m'a commissionné. Je voulais te voir là. Me voir? Hein, pour 2 minutes. Ça. C'est pas grave? C'est pas grave. Moi aussi? Oui. C'est du sérieux, hein? C'est quoi? Moi, j'ai même une fleur comme ça. Mon ami, ouais. C'est la lame. Il faut dire à notre patron, je suis un travailleur simple pour lui. Oui. Mais si je vois quelque chose qui n'est pas bon, je vais l'appeler pour l'informer. Oui. Pour un jour. Oui. C'est normal. Ça, c'est bon. Son jeune frère vient d'arriver à peu près, ça fait 3 heures de temps maintenant. Oui. Mais l'accueil qui est passé derrière mon patron, moi je connais. Madame n'a pas accueilli ton jeune frère. Il se comportait d'une manière avec ton jeune frère. C'est pas bon. Mais comme moi je suis simple travailleur pour le patron, il faut que je l'appelle pour l'informer. Il n'a qu'à essayer de parler, madame, il n'a qu'à faire doucement. Doucement! Si tu vois que le serpent est gros, quand tu sors, tout le monde crie. Il s'est caché. Il s'est caché. Dites à madame, n'a qu'à faire attention. Et sinon, un jour viendra. Ça ne sera pas bon pour toi. Salam alaikum. Patron, vous avez entendu tout ce que ça n'avait rien dit. Tout le monde, depuis longtemps, le comportement du madame, moi, je m'en doutais de lui. Entre lui et Sana. Mais comme moi, je suis un simple chauffeur, là, je ne peux pas riposter. Mais des fois, même moi, elle me fait des bêtises. Ça va. Vraiment, c'est le bon moment de prendre votre disposition. Ça va. Non, moi, je remercie Sana. Ce qu'il a fait, c'est son travail. Hein? Moi, je l'ai mis ici. Bien sûr, il est domestique, mais
Moi, je l'ai pris comme un jeune frère. Oui, c'est pour que moi aussi, tout ce que je vois voilà. dans ta maison qui n'est pas bon pour toi, je t'appelle doyen pour te tirer ta sereille, pour parler, pour qu'il se n'a qu'à rentrer. Mais toi, c'est quand on t'a parlé, faut entendre. C'est normal. Patron. Ça, c'est normal. Non, mais la main de comment j'ai trouvé ton petit frère, et ça n'a dit encore, ça fait 3 heures de temps comme ça, là. Lui, il a couché au salon. Même de l'eau, n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas gagné à boire. Si c'est pas vous, c'est pas tes petits frères qui vont te remplacer. Moi, j'ai toutes les choses, leurs solutions. Je suis dans la cuisine. Non, il faut travailler. Voilà. Non, non, là-bas, là, dans votre camp. Non. Ça ne va pas d'abord. Hein? Bonne grille, Sonia. Merci. Hein? Bonne grille, Sonia. Merci. Hein? La maladie, ça dépend de Dieu, n'y a? Vraiment. Hein? Ça va. Oui. C'est quoi? Oui, frère. Vraiment. La maladie, là, je n'ai pas pris ça au sérieux. Moi, je pensais qu'un simple palud. Eh, patron, il faut prendre ça au sérieux. Vraiment? Moi, je sais comment. Non, parce qu'il a passé la nuit avec moi aujourd'hui. Ah. Je sais. Hé, hey, la nuit, je te le jure, patron. Son cœur fait. Ça t'est devant moi. Regarde-moi ça. Ah. Il faut prendre ça au sérieux. C'est complètement malade. Surtout, il ne faut pas blaguer avec cette maladie-là. Mmh. Vraiment. Mmh. Ah. Vraiment, ça là. Je suis dans la cuisine. Ok. Ça me fait pitié. Regarde, tout son corps est chaud. Ah, c'est quoi? Pas me faire peur, hein. Vraiment. Tu as quitté. C'est-à-dire, voilà quelque chose. Ce que vous faites au village, c'est pas bon. Quand il y a une maladie, venez directement. Mais quand tu restes là-bas, une semaine, deux semaines, jusqu'à la maladie va s'aggraver. Moi, je pensais que c'était pas du tout simple comme ça. Écoutez, seulement. Quand la maman m'a téléphoné, moi, je pensais que c'est une maladie de palud. Mais regarde ton état. Il n'y a pas de moyen de déplacement. C'est bon. Ça qui m'avait fatigué. Oui, oui, ça c'est vrai. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Oui. Je vais donner l'argent à ma femme. Oui. Elle a ah, oui, oui. Oui. Il va t'amener à l'hôpital. Ah, on a un docteur spécial. Ça me fait plaisir. Hein? On a un docteur spécial. Il va t'amener à l'hôpital. Hein? Ok, ok. Faut pas avoir peur. Ah, ouais. Hein? Ça va passer. Ah, ouais. Hein? Oui. Allez, t'amener à l'hôpital. Ah, hein? Ok. Sana. Non. Sana, est-ce qu'il y a un peu de café là? Il va prendre ça. Avant voilà, Sana. Voilà, ça c'est vrai. Donne-lui le café. Il n'y a pas de problème. Parce que madame va l'amener à l'hôpital. Tout de suite, patron. Hein? Ah, voilà, alhamdoulilah. Parce que tu es en train de prendre un peu de café ce matin. Et je dis à Alan, à la baraka. Voilà. Attends, je vais déposer ça rapidement. Hein? Oui. Télévision, rien. Mimi. Mimi. Oui, monsieur Traoré. Oui. Voilà ce que tu vas faire. C'est quoi, il est gravement malade. Patron. Et... Patron. Oui. Tu vois, je t'ai dit le pays de médicaments. Et... Sinon, il va finir de croquer tout ton ami ici. Voilà. Et puis, la version des fils là-bas, beaucoup. Aujourd'hui. Ça n'a pas dit des Français. Vraiment, c'est le seul qui comprend son français. Oui, il est même parti. Sana. Patron. Pardon, paye-moi du médicament aujourd'hui. Pour... Ouais. Pour les souris. Madame m'a amené du médicament pour les souris. Ah, sinon, il va croquer tout son tablier. Ah ouais. Voilà. Oh. Eh, hey, il a versé beaucoup de fils. J'ai ramassé là-bas, beaucoup de fils. Bon, d'accord. Je suis en train de parler. Et yo. Moi, j'ai même pas compris son français. Vivi, pardon, j'ai dit Vivi. Mimi. Moi, je ne comprends pas ce que ça n'avait dit. Bon, voilà ce que tu vas faire. Voilà l'argent, tu vas amener Sekouba à l'hôpital. D'accord. Aujourd'hui, vraiment son état vraiment me fait peur. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. Tu vas partir, tu vas voir Dr Silla. D'accord. Tu vas l'expliquer. Mm-hmm. Lui-même, il va parler, ce qui lui fait mal. D'accord. Hein? D'accord. Tu vas utiliser l'argent là. Mm-hmm. Hein? Bon. Le reste de l'ordonnance, tu vas amener le papier, tu vas créer ça de soi, quand je viens. D'accord. Hein? Makoya! Makoya! Oui! Oui, oui, passez ici. Tu crois que tu es venu pour dormir?
Quand tu le parles, il reprend là-bas. Oui, passez à la cuisine. Tu sais qu'on a la malade. Ne crie pas sur ma gueule. Non, non, quoi, ça va, ça va. Oh. Et si je finis, c'est quoi? Non, non, patron, ici, il m'insulte le matin. Il va me voir tout de suite. Ah, bon, tu es prêt pour qui? Eh, ça va, ça va. Non, 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 patron, attendez. Non, ça va. Oui, ça va. Patron, pourquoi tu se cries là? Frère, laisse-lui, il a compris. Non, c'est... Vous connaissez mon coquin. Non, ça va, okay. Ça va comme ça, ça va. Il faut aller au travail, ça va. D'accord. Oui. Va, je dis. Sana. Non. N'oubliez pas mon café, hein. Oh. Il faut pas oublier mon café, quoi. Mon café, le problème du café. Ah, attends, c'est ce que je suis en train de faire. Ah. Je ne comprends pas. Oui. Je sais pas, c'est qui écrit comme ça dans sa vie. Tout ça là, pour moi. Tu. Sana! Sana! Madame! Viens! Madame? Tu as pris le médicament traditionnel. Ah! Les médicaments traditionnels là, c'est ce que nous sommes en train de prendre. Et nous. Dépose-moi ça ici, Yandi, l'escroc que tu es. Dépose ça ici. Envoie-moi Sekouba à l'hôpital. Oui. Envoie-moi le villageois à l'hôpital. Mais moi je ne connais pas l'hôpital, madame. Né docteur. Moi je suis occupé, je ne peux pas aller là-bas. Il faut lui donner au stagiaire. Tiens ça. Quel stagiaire? Tu ne connais pas les stagiaires? Ça c'est combien? C'est 10 000 francs. 10 000 francs. Oui. Madame, ajustez un peu. Sinon, ça ne va pas. Ça là. Ça, c'est mon frère de transport, ça. Qui devant moi a dit. Ajoutez. Il faut lui te donner tout. Sana. Oh? Tu veux envoyer mon enfant à l'hôpital? Eh, d'accord, ma compagne. Sous le soleil ardent, là. Retourne vite à la maison. À la maison, je te dis. Ah, d'accord. Avocat, toi, tu restes ici. Hein. Non, moi j'arrive, je vais à l'hôpital. C'est là mon porte-peu. Mais je te dis, je vais à l'hôpital. Calme-toi, calme. Non, mais attends. Attendez, patron, calme. Mais c'est la femme de mon. Attendez. Attends, Sana, attends. Ne t'énerve pas. Non, attends. Autrement, je suis ton mari. Il faut comprendre ça. Est-ce que le mot que tu dis comme ça, tu connais sa signification? Moi, je peux être ta femme? Regarde-moi le villageois, la vieille de lointain, comme la plus. Pardon, madame. Inquiète-moi, escroc que tu es. Pardon, madame. Pardon. Ah bon? C'est comme ça? Et voilà, ma Yandi. Je vais respirer l'air. Allez-y. Bon, ça va. Ah, c'est ça que je t'ai dit. Allons-y. Tu n'as même pas commencé d'abord. Madame, je viens. À full Kanyandi. Hey. Escoro. Ah, il s'appelle Nina, calme-toi. Allons. Inch'Allah, je vais te répondre. Toi, tu peux me répondre? Je vais te répondre. Tu ne peux rien contre moi. Les villageois réunis que vous êtes, moi, j'ai rien à faire. C'était ça, hein? Oui, n'est-ce pas? Mais attends, depuis que j'étais là, je n'ai pas vu Acha. Effectivement. Elle est venant. Non. Où elle est partie? J'ai oublié, elle est partie à Bouki. Ok. Oui. Je viendrai la semaine à venir là. Moi, je vais rentrer parce que j'ai affaire. Ok. Mais ça, non. Et le problème des affaires là? Tu as fait le dépôt de marchandises. J'ai vu hier avec, c'était avant-hier, hier, j'ai vu avec Traoré. Mm-hmm. Quand tu m'appelais là, je t'ai pas dit Jésus. Je sais, voilà. Tu sais. Bon, attends, voilà. Attends. Ce que toi, tu ne comprends pas. Mm-hmm. J'ai fait le dépôt. Oui. Il faut que je passe. Bon, tu as vu, j'ai passé chez Alpha l'autre fois. Il dit qu'il n'a pas gagné tout l'argent d'abord. Donc, on va se patienter. Ça, non, c'est ta faute. Comment c'est ma faute? Voilà. Un homme, il faut être décisif. Moi, je te donne le marchandise tout de suite. Mais attends. Attends, mais. Non, tu m'es pas. Ça, non, on va non, se comprendre. Non, attends. On c'est se comprend, ça, moi, non. Que.
Attends, on se comprend. Non, on peut mais pas se tu me parles comme ça, on dirait que je n'ai jamais. C'est la première fois qu'on. C'est pas la première fois, ça fait longtemps qu'on a commencé de travailler. Mais chaque fois, quand on récupère l'argent, il y a des problèmes. Il faut prendre tes dispositions. Ah. Quand tu le donnes de marchandises à ces commerçants-là, quand on dit la date-là, il faut qu'ils respectent la date-là. Parce que c'est Traoré. Parce que c'est que moi, je veux dire, il faut dire à M. Traoré, je ne veux pas. Il faut dire à M. Traoré, il n'a qu'à se patienter. Il est le nez sous toi là. Hein? C'est ça que j'ai dit. Bon, souvent, quand il dit bon, dis voilà, ça non. J'ai dit ça non. Ça non est comme ça, ça non. J'ai dit non, c'est pas ça. Tu sais, ça non est très bien quoi. Ah ouais, bon, donc, quand tu es quelqu'un est trop bon, c'est pas bon. Ok. Surtout le problème de l'argent, il faut être très souple. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà ce qu'il y a. D'ici après demain, je vais voir René tout. Je viens, je te donne. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. On a trop duré. Mais tu m'attends, on va ensemble. Parce que je dois passer au magasin, c'est travaillé là-bas. Okay. C'est quoi? Bonjour. Ça va bien, frère? Jusqu'à présent, ça ne va pas. Hein. Ouais, ça ne va pas d'abord. Mais tu as eu des médicaments quand même. J'ai pas eu de médicaments. Ah, comment? Seulement, j'ai pas eu de médicaments. Tu es parti avec madame à l'hôpital. Tu dis que tu n'as pas eu de médicaments. Je suis pas allé avec ta femme à l'hôpital. Ah. Ah. Tu es parti avec qui? Je suis allé avec Sana. Qui? Sana. C'est elle qui a ordonné Sana de m'accompagner à l'hôpital. Mimi! Mimi! Oui, monsieur Traoré. Viens là. Bonsoir. Passe par là. Passe par là. Passe par là. Viens devant moi. Il est parti à l'hôpital avec qui? Je te dis, c'est Sana qui m'a amené à l'hôpital. Baka, frère. Va de hey. C'est Sana qui m'a amené là-bas. Attends. Il est parti à l'hôpital avec qui? J'ai ordonné Sana pour l'amener à l'hôpital. Voilà. J'avais une réunion à assister. C'est pour cela que j'ai pas pu l'accompagner. On me dresse le. C'est bien. C'est bien. Je te remercie infiniment. Je te remercie infiniment. Moi, je te laisse l'argent d'amener mon frère à l'hôpital. Tu dis que tu as des problèmes à faire. Tu dis que tu as des problèmes à faire. Wallah, je... si ce n'était pas ton domestique là aujourd'hui, moi, j'allais mourir aujourd'hui. Sana! C'est lui qui m'a accompagné à l'hôpital. Sana! Patron! Viens, viens. Patron. Tu es parti à l'hôpital avec toi. C'est quoi? On ne peut pas partir à l'hôpital, patron. Le paye 10 000 francs que madame m'a remis, on est allé là où... Attends. Il t'a donné combien? 10 000 francs. Ah, voilà, madame. Qui t'a remis 10 000 francs? C'était pas devant toi. Mimi, tu l'as donné combien? Je t'ai donné combien? 10 000 francs, madame. Tu peux girer. C'était 10 000 francs. Tu peux girer. Tu l'as donné combien? 10 000 francs, patron. Frère, il faut même pas la toucher. 10 000 francs. Il faut même pas la toucher. Non, on est parti. Tu sais que ton jeune frère n'a pas déjeuné le matin. J'ai payé un plat de riz sur ça. On a déplacé le véhicule sur ça. On est allé voir là-bas seulement. Tu sais que moi, je m'en fais le foutre. Non. Quand tu fais ça... Ferme ta bouche, ouais, je crois que tu... Ah, madame, ma voix. Tu fais un mot, je déchire ta bouche. Tu fais un mot, je te... Non, je te démolis tout de suite. Frère, ça va, il ne faut pas la toucher. Ça va comme ça. Non, la touche pas. Ça va d'ailleurs. Regarde la bêtise que c'est là. Ça va, patron. Laisse tomber. Toi qui es domestique ici, tu es plus important qu'elle. Voilà. Et puis, tu es plus important qu'elle. Et puis, Armand, d'abord, elle a crié sur moi. Hein? Je te remercie. Moi, ma tension était. Moi, je ne te touche pas. Moi, j'ai crié sur toi. Tu ne m'as pas insulté ici. Et moi, d'abord, on ne peut pas dire. Tu l'as insulté? Hein? Elle m'a insulté. Tu l'as insulté? Non, hé. Maintenant, c'est pas lui que tu as insulté. Attends. C'est pas lui que tu as insulté. Non, ça va. Laissez-la. Patron, on ne fait pas d'histoire avec madame. Pour l'amour de Dieu. Il ne faut même pas faire de l'histoire avec elle. Voilà. Elle a crié sur moi. Et puis, j'ai dit, ton enfant, le petit n'a qu'à m'accompagner à l'hôpital. Elle dit non, que son enfant ne va pas sur le soleil. Voilà. Tu es là, lui il n'est pas là. Moi, je connais. Mais toi tu es là. Tout ce que je fais pour celle-là, maintenant voilà la réponse. Madame, essayez de comprendre avec le patron. Pour l'amour de Dieu, c'est ton mari. Tout ce que je fais pour celle-là, voilà la réponse. Calme-toi. Lui, écoutez, c'est pas le fils de mon oncle. Nous sommes du même lait.
Même père, même mère. Il faut la dire ça. Comme si elle je te répondrai. Elle n'a qu'à connaître ça. Je te répondrai. Ouais. Billahi, Ndéja Billah. C'est tout. Ni Ala. Et puis j'ai fait. Ibrahim Inkieti, je te répondrai. Non, patron, calme-toi. Le repas quand tu vois une femme. C'est quoi, le repas est fini. Voilà, va. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi je ne peux pas manger d'abord Sana. Je ne peux pas manger d'abord. Après. Il faut que je le ramène à l'hôpital. Ah, il faut faire, essayer de faire ça. Voilà. Mmh. Après, tu vas dire au chauffeur de préparer. Okay. C'est quoi? Oui. Lève-toi. Ah. Tu vas manger après, moi je vais t'amener à l'hôpital. Hein? Ok. Toi, je vais te répondre. Okay. Moi, elle est assise, elle va conduire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Madame, le repas est fini. Viens ici. Viens. Bismillah. Ce que tu as fait ici, il ne faut plus le répéter, tu as compris? Quoi ça? Tu penses que tu es l'avocat entre moi et nous, madame? Je ne connais pas le travail. Est-ce que tu es? Madame, es-tu devant moi? Madame. Tu ne quittes pas devant moi? Madame, laissez-le, hein? Laissez-le, madame. Laissez-le. Sana, je me ferai pour toi. Qu'est-ce que c'est comme toi? Pour que je me ferai pour toi. C'est quoi? Tu me ferai pour quoi? Sana, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sana, ne pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu l'as fait? Que moi j'avais des escroqueries. Moi je n'ai rien dit. Moi je n'ai rien fait. Non, non, attends, frère. Celle-là est exagérée. Mimi. Mimi. Mimi, tu as cherché. Ok, non, j'ai plié Dieu. Mimi, tu as cherché. Voilà, j'ai plié Dieu. Et puis lui, c'est un autre jour. Celui-ci va devenir un grand ici. Mimi, tu as cherché. Hein? C'est un verbe de famille comme laisse, ça. Laisse, tu le frappes. Laisse-la. Laisse-la, laisse-la. Même si tu me fais ça, moi je m'en fous, hein. Laisse-la. Ça, je te dis. Laisse-la. Fais tout ce que tu veux. Monsieur Djoukou est une voix. Fais tout ce que tu veux. C'est moi qui t'ai donné le privilège de faire tout. Moi, je n'ai rien fait. Non. Moi, je te répondrai, wallah. Je n'ai rien fait. Des escrocs réunis ici. Village à qui vous êtes. Mais on verra si plaît à Dieu. C'est quoi? Oui, frère. Le véhicule est prêt. Oui. Maintenant, le chauffeur va t'accompagner à la voiture. Ok. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu salues toute la famille pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Hein? Ah ouais. Tu sais, je t'avais dit, il faut beaucoup veiller sur le père. Tu sais qu'il est malade. Non, je sais. Voilà. Oui. Hein? Oui. C'est ça. Il n'y a pas de problème, frère. Ah ouais. Moi, de tout ce que tu m'as dit, je vais tout faire. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Numa. Ah, mais pourquoi tu l'appelles? Mais frère. Attendez-moi, laissez au moins, tu sais, le temps qu'on a fait ensemble ici. Hein? Mais mon frère, il a un peu moins de temps que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Alors, donc, non, Mimi! Mimi! Oui? Asseyez-vous. Abakarogo, il est parti à l'école. Aujourd'hui, moi je vais me retourner au village. Quoi? Je veux rentrer aujourd'hui au village. Ton mari m'a laissé hier nuit. Il m'a donné beaucoup de choses. Mais c'est pas à ton mari que je vais remercier. C'est toi. De tout ce qu'il a fait pour moi, c'est toi qui as fait. Pourquoi? Parce que quand on entend un bon mari, ce n'est pas le mari, c'est qu'il a une bonne femme dans la maison. Sinon, hein, sans quoi, il n'allait pas me faire ça. Donc, je vous remercie très bien d'avoir me donné d'abord 1 500 000 francs guinéens. Il m'a donné ça, plus une valise. Très bien plein des habits. Faut pas citer tout ça. Non, mais frère, attends. Non, c'est attends. Pas toi, je vais remercier. Attends. Celle-là, c'est elle qui est étrangère. Oui, donc, mais il me faut la remercier. Oui, mais moi, je te dis une chose. Ah. Tout ce que je fais comme ça, tu penses que c'est pour toi? Ah. Non. C'est ça, frère. Moi, c'est je pour sais. Moi. C'est ça, je moi, sais. Moi, c'est moi. Oui, oui. Hé, hey, on est de même lait. Même père, même mère. Quand moi, je te fais pas, à qui je dois faire? Non, personne alors. Ah! Vraiment, mais ce n'est pas toi, je vais remercier. C'est nous. Ah, tu es bien?
En tout cas, ça c'est entre... Parce que depuis que je suis rentré ici d'abord, vraiment pas mal de choses. Hein. De toute façon, ça c'est entre toi et ta... Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Oui. Quand tu seras prêt, quand vous allez finir à parler... Il n'y a pas, moi je suis d'ailleurs prêt, vous voilà. Pouvez amener le chauffeur. Tu vas dire à Tijan de t'amener. Voilà. Donc nous, il faut veiller sur le foyer. Et puis ton enfant. Et puis ne laisse jamais Samala. Samala est très bien. Dans le foyer. Il est le domestique là. Il ne faut pas lui voir comme ça des noirs. Il est géant. Hein? Mais hey, c'est un homme dit. Hey, ne le laisse pas dire. Voilà. Tijani. Oui. Voilà, viens. Voilà, bon, je suis prêt. Je veux rentrer. Tu vas me laisser à la gare routière. Non, j'attendais que vous. Voilà, ok, merci. Donc nous, merci. Merci. Hey, hey. Bonjour. Émile a foulé Mabutu. Toi aussi. Émile a foulé Mabutu. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as? Sana. Sana. Quoi? Viens. Ouais. Keba. Moi, je me retourne aujourd'hui. Tu te retournes? Oui, je vais me retourner. Ouais. Ah, ton patron, ah, il a tout fait pour moi. Oui, car alhamdoulilah. Hey, il m'a bien laissé. Alhamdoulilah. Million, d'abord, moi j'ai dit 1 million 500. C'est pas 1 million 500, c'est 1 million 800. Et il m'a donné ça. Et puis il m'a fait beaucoup de choses. Regarde-moi. Ça là. Mais regarde, comment est-ce qu'on est. La façon de. Regarde. C'est voilà. C'est couple maintenant. Hey, ça là. Quoi? Viens m'aider. Okay. Le portail. Ouais. Ok, merci. Hein. Yeah. Veillez sur ici. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, merci. Nous, de venir ici. C'est pas pour prendre le café. Tu sais, ma femme, c'est toi qui prends sa défense. Tu es son avocat. Mais ce qu'elle a fait, voilà, ce que ma femme a fait, vraiment, je jure sur l'honneur, je ne vais pas tolérer ça. Mon jeune frère vient du village, malade. Moi, je prends l'argent, je la donne. Amène mon jeune frère à l'hôpital. Elle refuse catégoriquement. Elle prend l'argent, elle donne à Sana. Demain cycle, qui ne connaît même pas où est l'hôpital, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle docteur, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle sage-femme. Il prend mon jeune frère, il donne à Sana, elle reste à la maison. Il faut que je t'avertisse pour ça. Ça, je ne veux pas tolérer. Ça, je jure sur l'honneur, je ne veux pas tolérer ça. Je te dis ça. Écoutez, attendez. Parce que toute chose, quand je parle, c'est toi qui prends sa défense. Ça, je ne veux pas tolérer. Ah là. Wallah billah. Non, si c'est là et cas, je n'interviens pas. Ah, en tout cas, c'est toi qui es son avocat. Non. Je suis son avocat, mais pas jusqu'au là-bas. Ah, il faut que je te dise. Voilà, parce que ta famille, c'est ta famille. Voilà. S'il a fait ça à ton jeune frère, le jour que ta maman viendra ou bien ton père viendra, il va faire la même chose. Plus pire que ça même. Voilà. Plus pire que donc, ça. Donc, n'importe quelle sanction que tu vas prendre contre elle, ah, là, tu n'interviens pas. Hey, Melo. Zéra. Zéra. Mais amène Lulo. Eh, mais c'est comme ça. Hein. Et quand je te sers, pour amener Lulo, c'est un problème. Il faut crier encore. Ah. C'est très bien. Quand je pose café, tu l'amènes. Moussou et Baba. Ah, voilà, et Baba, non. Tu sais, Baba, là, c'est un certain chose là.
c'est comme un fourmier quoi. À part si il quitte ici, il monte ici, si, ici là c'est frais, il remonte encore. C'est si ça, ça, s'il trouve c'est comme ça qu'il va monter jusqu'au pied. Il va retourner. Là, il faut le corriger autant. Hey, barman, viens. C'est ça, camarade. Hein? C'est le prix du café. Je prends café. Hein? Ça va. Nous dans le café là, très très fort. Bon, barman. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Hein? Bon, mon frère. Merci. Oui. José Traoré. Oui. Tu viens juste de rentrer, tu sors encore sans manger. C'est ton problème? Si je ne mange pas, c'est ton problème? Ça fait quoi? Attends, écoutez. Tu me laisses tranquille. Si tu entends, c'est bon pour toi. Tu me laisses tranquille. Ça fait combien de temps? J'ai dit, tu me laisses tranquille. Si je ne mange pas, est-ce que c'est ton problème? C'est ton ventre? Je ne répète plus. Tu me laisses tranquille. Hein? Ne m'appelle plus pour le manger. D'accord? Voilà. Gare. Eh? Bonjour. Mmh. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va bien? Tu vas bien? Ça va, merci. Mais l'enfant l'a grandi. Vraiment. Il dort comme ça? Oui. Ça va. Mmh. Ça va. À l'heure là, ça ne va pas du tout chez moi. Ah bon? Je t'assure sur le nom. Pourquoi? Monsieur Traoré a complètement changé. Mmh. Il a complètement changé. Depuis que son jeune frère est venu du village, il a complètement changé en vie. Quel frère d'abord? C'est quoi? Le teint noir, on dirait un charbon. Là, il a... Tu sais ce qui s'est passé? Non, je ne connais pas. Sekoupa est venu du village, il était malade. Oui. Depuis que lui, il est venu, ça ne va pas du tout à la maison. Tu sais le problème, c'est quoi? Non. Mon mari, en sortant, il m'a donné l'argent pour accompagner Sekoupa à l'hôpital. Oui. Comme ça, ce jour-là, moi, je n'avais pas le temps. J'ai donné l'argent à Sana pour lui accompagner à l'hôpital. Mon mari est venu. Sekoupa a parlé n'importe comment. Depuis ce jour-là, M. Traoré a complètement changé. C'est pour cela que je suis venu chez toi. Si tu connais un karmako ou bien un charlatan, pour qu'on puisse partir là-bas, pardon. Ok, il n'y a pas de problème sur ça. Comme tu es ma copine, moi je connais un karmako. Lui connaît son travail très bien. C'est sûr. Et je ne peux pas te mentir parce que tu es ma copine. Même moi, il avait fait un travail pour moi. C'était bien fait. Toi aussi, fallait pas. Il fallait m'informer. Non, ma copine. Pour moi, tu n'aimes pas des trucs comme ça. Comment ça? Ah, comme tu es logé chez toi bien, tu fais tout à la maison. Tu es libre, ce que tu veux, tu fais ça. Ah. Bon, je ne pense pas si tu peux faire non, ça. Non. Si tu parles dans ces choses, il faut m'informer. Non, c'est pour cela que je ne t'ai pas dit ça. Sinon, j'allais te dire, parce que des hommes d'aujourd'hui... C'est pas facile. Alba qui n'y a pas ni qui côte de mi et qu'elle a au maudit. Franchement, je ne savais pas ni. Si c'est pas lui, c'est ses parents. Surtout Sekouba. Sekouba. Lui, il n'est pas du tout. Il m'aime pas. Sekouba n'est pas malade. Il fait semblant qu'il est malade. Il n'est pas malade. Il est venu pour créer de la zizanie entre moi et mon mari. Non. Si tu pars à la maison, quand tu dis là-bas bonjour, il fait comme ça, ça va. Tout le temps barré. Est-ce que tu vois sa tête? Sa tête est taillée. Comme un coco. Alors moi je ok ma copine a fait ça. Toi tu connais ton mari, tu as mal qualifié ton mari. C'est mon beau, je le connais. Au revoir, okay. À demain. Eh là. Eh là. Ma frère. C'est toi qui as payé. C'est pas moi qui a payé, mais c'est moi qui attends de le préparer. Mets ça là. Si tu n'as pas prêt, tu veux que qui va préparer? Je ne mets pas. Mets ça là-bas. Oh. Laisse-moi. Ma frère. Laisse-moi. Au secours. Ma frère.
tout va être clair ici. Tu vas pas. Tu vas frapper. Tu vas me connaître qui je suis. Au secours! Sana! Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer aujourd'hui. Sana! Sana! Sa jeune frère et sœur qui et mon frère. Non, il faut pas brûler les parents. Je brûle. Pourquoi tu pleures? On m'a frappé de passer. Je préfère. Qui t'a frappé? Ta femme et sa jeune frère. Viens. Mimi! Oui, monsieur. Viens là. Tu ne vas plus rester ici. Ça, c'est. Viens Alors, là. C'est ta greffier. Tu ne vas plus rester ici. C'est toi qui commande ou c'est moi qui commande? Regarde la c'est même. C'est toi qui prends la décision ou bien c'est moi qui. Je te pose la question. Hein? C'est toi qui prends. Mais regarde ce que ça m'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Tu te tais, non? Non, je ne peux pas me taire sur ça. Tu te tais, non? Regarde la main de ma jeune sœur. Écoutez. Tu prends la défense de ta sœur. Oui, je prends la défense. Voilà, tu prends la défense. Attendez. Il a fait ça. Attendez. Tu vas pas mon dos. Ça va. Tu te tais, quoi? Bon, regarde. Non, regarde. Tiens, il a fallu même me frapper, lui. Sana, il a fallu même me frapper. Mimi, écoute-moi bien ce que je te dis. Écoute-moi très bien ce que je te dis. Ta sœur, tu as pris sa défense. Lui, il est quoi? Non, lui, il est quoi? Il est animal. Il est domestique. Domestique, c'est animal? C'est pas un animal, c'est un être humain. Faites attention. Mimi, faites attention. Je il te faut dis, dire mais, à attendez. Celle-là, c'est ma jeune sœur. Si c'est ta jeune sœur, après, lui, il est quoi? Ça ne vient là. Attends, que tu parles. Si tu veux, il faut fermer tout. Tu penses que tu vas rester ici? Écoutez, tu peux te foutre de lui. Je parle avec toi. Je dis, faut pas te faire. Ou bien je te fais à la porte. Je te fous à la porte. Il parle avec ça. Il ne parle pas avec toi. Il parle avec toi. Ouais, c'est ça qui je veux. Écoutez, faut pas te foutre de lui. Ou bien je te mets à la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu parles ta soeur pas? Tu es là. Hein? Tu es là. Moi, je te dis, tu es là. C'est pas elle qui commande, c'est moi qui commande. Ils disent que les deux, je les mets au dehors. Regarde-moi ça. Ça va. Ok. Ça va. Personne ne te touche ici. Personne. D'accord. Personne ne te touche ici. Okay. Tant que je suis là. D'accord. La maison, c'est pour moi. Tout ce qui est là, c'est pour moi. D'accord. Hein? Ok. Pardon. Hein? Merci. Regarde-moi ça. Parce que c'est sa sœur, elle prend sa défense. Les travailleurs là aussi bouffent trop. Wallahi. Bientôt les sentiers là-bas sont finis. Vous allez voir comment vous allez rester dans la vie. Hey. Hey, chaque jour. Sana. Madame. Tu as fini? J'entraîne. Est-ce que tu as mis le riz, le plat des travailleurs? C'est ce que j'entraîne de mettre comme ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est trop petit. Ils sont nombreux. Madame. C'est trop petit. C'est trop petit. Ils sont nombreux. Quand j'enlève le repas de patron, j'enlève ta part aussi et ta jeune sœur aussi. Comment moi je vais gagner, madame? Augmente ça. Je ne veux même pas trop. Awanga, le fonds s'en entoure. Augmente. Et puis, c'est toi qui as envoyé mon portable ici. Si. Tu veux utiliser alors mes unités? Ça fout là. Tu sais que ça n'est pas entre toi et moi. Ça a été abandonné là-bas. C'est pourquoi j'ai amené ça ici. D'accord. Dépêche-toi. Ton portable jusqu'à demain, mais. Dépêche-toi. Ça fout là, quel est là? Tu sais que. Et puis dépêche-toi. Il n'y a pas ça entre toi et moi, tu le connais.
Si le sol ne souffre pas, et aussi, vont se débrouiller dans la coulisse. Quant à moi, ça va. La loi n'a qu'à faire rentrer un peu. Sana! Sana! Madame? Lave-moi les toilettes! D'accord. J'ai un problème à régler. D'accord. Voilà, dis-lui de m'attendre. Chauffeur, il faut l'attendre un peu. Que vous allez sortir tout de suite encore. Madame est là? Si. Oh. Madame? Oui. Patron est déjà venu. Patron est là. Monsieur Traoré. Alors, ma chérie. Mimi, ça va? Ça va. Tu dormais comme ça, toi? Non, je me reposais. Reposer et dormir. C'est le meilleur. Qui t'a appelé aujourd'hui? Oh, personne. Bon, Mimi, oui. Je vais manger. Je suis rentré fin. D'accord. La vie. Fais un peu vite. Pourquoi? Et... Aujourd'hui encore un changement. Laisse-moi te servir. Je suis là pour ça. Et... J'ai préparé ton plat préféré. Chaque fois, plat préféré. Chaque fois, c'est comme ça. Ça va ou bien je peux... Il faut mettre un peu. Je peux faire. Bon, ça va. Traoré, à tout moment, toi, tu as faim. Et... Tu vois? Non, je... Hey. Ça... Tu vois comment j'ai préparé? Ça, c'est sérieux. Sana. Il est à la maison. Son comportement, c'est bon. Doucement, ça c'est le plus mal. Chose, comment on appelle? Kamala n'est pas venu à mon absence. Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui.
Et Sano? Sano, lui aussi, je ne l'ai pas vu depuis le matin. Mimi, je te dis une chose. Moi, Sano, on va faire une soirée. Très pourquoi bien. C'est-à-dire, il veut me prendre comme un fou. Non, ça, c'est ton non, ami. Non, pas ça. Tous les marchandises que j'ai données à Sano, jusqu'à présent, il n'a pas versé l'argent. Regarde ce que Kamara a fait avant-hier. L'argent qu'il a reçu, il a versé ça à mon compte. Maintenant, pour Sano, zéro. Est-ce que ça, c'est bon? Il viendra. Est-ce que ça, c'est bon? Non, c'est ton ami, toi aussi. Tu sais, c'est les affaires. Oui, mais les affaires ne marchent pas sans l'argent. Je le sais. Quand tu entends affaires, c'est l'argent. Comment est ma sauce? Non. Pas de problème. Tu me notes 20 pour 20. Non, pas 20 sur 20. 18. 18. Ah, sur 20. Non, 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 c'est 20 sur 20. Oh, je ne sais pas qui m'appelle comme ça. Allô? Bon. Le problème de ça, non? Mm-hmm. C'est lui qui m'appelle comme ça. Ouais, tu vas au magasin. Tu vas au magasin, je viens. Non, non, on ne vient pas à la maison. Je dis, va au magasin. Il y a Kamara là-bas. Ça fait 3 jours. N'explique. Non, je dis, n'explique rien. Va au magasin, je viens. D'accord. Je vais partir au magasin. D'accord. C'est le même Sano qui m'appelle comme ça. Il ne faut pas mettre du temps là-bas. Nous sommes des affaires, man, ma chérie. Je sais qu'il va rester dans mes deux mains. Il a bien mangé. Bam, bam, bam. C'est qui? C'est la maman de Traoré. La maman de qui? Eh, alors ouvre la porte et tu vas voir c'est qui. Non, non. C'est le mangan qui vient qui dit que c'est la maman de travail. Hey, allez, vous le cas! Cherche à connaître c'est qui, s'il te plaît. Quoi? Cherche à connaître c'est qui. Dis donc. Hé, si je cherche à connaître c'est qui. Awatou. Mais c'est quoi? Non, non, non. Je te dis que c'est la maman de ton patron. Quel patron? Et... Toi, là. Tu sais, je maman. Je ne comprends pas. Aïe, non, il ne faut pas fâcher. Vraiment, tu es toujours chaud là. Ah, non, il y a beaucoup de mangan qui viennent dans le monde. Je suis fatigué comme ça, vraiment. Oh, je suis chaud. Eh, c'est pas ça. Vraiment. Ça va? Il est là. Maman, tu vas bien? Voilà. Voilà la maman de patron qui est là ce soir. C'est mon problème. Quoi? Je te dis si c'est mon problème. Qui devant moi l'a dit? Moi, j'ai affaire. C'est pas ton problème, moi, mon arrivée. Hein? C'est pas ton problème. Y a pas de problème. J'attends ton mari. Je vais dégrader ton mari devant toi ici, tout de suite. Ça me complète mon tigre. Et puis ici, c'est la capitale, c'est on ne doit pas crier sur quelqu'un. Mais est-ce que la fille, la femme la connaît que c'est moi qui... C'est moi la maman de son mari? Non, il ne connaît pas. Alors moi, c'est moi la maman de ton mari. C'est moi qui l'a mis au monde, ça je te dis. Ouais, mais je l'attends. C'est complètement tigre. D'accord. Franchement. Il n'y a pas de problème. Et qui est devant moi? Est-ce que tu es là? Je ne peux même pas faire mes calculs. Si ce n'est pas des villageois, c'est des villageois. C'est Traoré. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire mes décomptes. Et Sana? Sana! Sana! Patron! C'est Sana qui est patron aujourd'hui. Regarde-moi. Il a fini d'arranger. Regarde mon portable avec lui. C'est toi qui es patron maintenant. Non, non, Makoya. Je suis allé prendre ça là-bas. Il faut partir au travail. Le tube me dit, que le seul bouton là qui ne marche pas maintenant, quoi. Parce que quoi, là-bas, c'est épuisé. Et puis, Hadja est là. Ma maman. Ah, ta maman est là. Makoya. Makoya. Oui. Toi aussi, il faut sortir maintenant. J'arrive. Bon, madame,
Bon, je pars. Qu'est-ce que je paye, Sandra? Je veux que tu payes pour moi. La salade. Salade. Oui. Okay. Avec beaucoup de tomates. Ok, y a pas de problème. Mm-hmm. L'argent là est là-bas. D'accord. Je vais utiliser ça. Oui, faut utiliser ça. J'arrive alors. Hein? Faut pas dire au marché. Non, je ne dis pas. D'accord. D'accord. Faut bien travailler, hein. Et puis tu es bien sapé aujourd'hui. Ça c'est ma koya. Aujourd'hui. S'il plaît, tu vas le connaître. Maman, écoutez. Je tu vas le connaître aujourd'hui. Non, non. Je crois que ta femme là t'a dominé. Mais tu vas le connaître aujourd'hui. Regardez-moi ça. Je ne veux pas que tu. Depuis quand? Je ne veux pas que tu. Depuis quand je te dis? Hein? Je ne suis plus un enfant. Ah, Abradia. Abradia. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme quoi, maman? Je t'explique ce que ta femme est en train de faire. Non, 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 il ne faut pas l'accuser. Moi, ma femme n'a rien fait. Tu es là à crier sur moi. Hein? Maman, écoutez. Ousmane. Écoutez ce que c'est je veux dire. C'est moi ta maman. Je ne te conviens pas. C'est moi qui t'a mis au monde, Ousmane. Eh, maman, laisse tomber ça. Ousmane. Et puis, maman, écoutez une chose. C'est-à-dire, jamais plus grand jamais, ma grand-mère ne t'a pas fait ça. Quand vous vivez avec mon père, est-ce que ma grand-mère s'est déplacée une fois, allez semer une pagaille dans votre foyer? Laisse tomber ça, maman. Laisse tomber ça. Ma bradia. Faut pas venir. Hey. Non. Je ne peux pas prendre ça, Wallahi. Ou même vous connaissez. Celle-là est très petite. Comment vous pouvez venir? Je ne peux pas prendre. Eh, monsieur Traoré. Je ne peux pas rentrer aujourd'hui chez moi. Elle vient nous créer des problèmes. Elle ne peut pas. Maman, pleurer, non pleurer, moi, vraiment, je vous dis la vérité. Vous êtes ma mère, il faut que je vous dise la vérité. Vous ne pouvez pas venir ici faire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous dites-moi ce que ta femme a fait, ce que ta femme a fait. Qu'est-ce que ma femme a fait? On t'a dominé, tu as perdu. Moi, je ne suis pas dominé. Tu as perdu Ousmane. Et alors, ta femme t'a dominé dans ton foyer. Tonton, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, ça c'est fini. Moi, je rentre. Tonton, vous ne pouvez jamais rester ici maintenant. Ma maman vient crier sur ma femme ici, faire tout. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est votre maman, ça? C'est ma maman. Et après? Non, quand on a rien. Mais où elle va encore? Elle qui connaît, moi qui connais. Maman, mais restez, ne partez pas. C'est fini. Maman, maman. Attends, allez, non, ne partez pas, maman. Ne partez pas, maman. Donnez-moi ça, ça ici. Ne partez pas. Attendez, si vous voulez partir, tenez votre transport. Mais patron, tenez votre transport. Mais je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Ah, maman, laisse-moi. Ah. Maman, laisse-moi. Laisse-moi, Andy. Ah. Laisse-moi, Maria. Dis-le. Maman, laisse-moi. Maman. C'est ça que j'avais dit. Ah, c'est ça que j'ai fait. Maman, laissez-la. Yandy. Laissez-la, maman. Laissez-la. S'il vous plaît. Allez, partez. Mais patron, moi je ne comprends rien maintenant là. C'est je ne comprends rien. C'est pas ton problème. Tu vois votre maman. C'est pas ton problème. T'es chauffeur chez moi. Ne te mêle pas dans ma foyer. C'est pas ton problème. D'accord. Voilà. La vie de ta mère, c'est qu'elle m'a fait. Non, laisse-la. Laisse-la. Je vais téléphoner à mon père. Elle sera plus ici maintenant. Je jure. Elle sera plus ici. Je connais pour qu'elle est venue. Une vieille dame, là, la sorcière, là, elle veut. Non, laisse ça. Je connais pour qu'elle est venue. Patron, ouais. C'est un monsieur sans nom qui m'a permis de passer ici. Parce que votre affaire qui est en tas là, que vraiment ça ne va pas là-bas. D'accord, je vais régler ça. Je ne suis pas allé. Mimi, oui. Il faut que tu prennes tes effets. Tu vas rentrer. Regarde-moi des choses comme ça. C'est pour que je l'ai interdit. Tu parles souvent. Tu dis que vraiment, Mimi n'aime pas mes parents. Tu vois ça? Non, je vois la réalité. Je vois la réalité.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis donc, il y a un décès là-bas. Ton fils m'a jeté genou. Ousmane. Attendez. Assieds-toi ici d'abord. Comment est-ce assassiné? Ah, tu sais qu'il est dominé par sa femme. Dominé par sa femme? Ah non. Non, calme-toi. Si c'est ça, moi je vais régler ça. Dès demain, je vais bouger ici. Mais Ousmane est malade. Hey, ils sont là-bas, collés. Regarde-moi ça. On dirait deux doigts inséparables. Mais c'est toi? Comment c'est moi? Pourquoi tu ne l'as pas giflé et bastonné comme tu veux? Il m'a même frappé là-bas. Subhanallah. Il s'est jeté sur moi. Agba. Je te dis. Mais Ousmane. C'est fini entre moi et ton fils. C'est fini. Ah, laisse tomber ça. Je dis chez toi. Mais. Non, il m'a dessus. Un enfant qui vient de naître. Oui. Moi, j'ai Irine. Un caïman sort là-bas, mais croqué comme un cola. Oui. Depuis quand? Il va même te tuer cette fois. Hein? Si je viens là-bas, je vais décider sa feste. Mais c'est la distance. Oui. Regarde-moi ça. Il faut rentrer. Rentrer? Ça, c'est quelle bêtise, ça? Ousmane, qui vient de naître. Ah, astaghfirullah. Ousmane, ça veut dire. Non, je n'ai pas convaincu. Sauf moi-même, je vais là-bas, voir là-bas. Prends mon sac. Ah! Ousmane. Là, il est arrivé dans le monde insultant. Ah, tu es ok là. Si ni mon mec, j'irai là-bas. T'es vite là. Et puis j'ai cherché mes bijoux là. J'ai pas vu ça. L'autre. T'as pas vu ça pour moi? Ça, je l'ai pas vu. Parce que c'est pas. Il n'a pas. Sur le lit. J'ai pas regardé là. Ah, il va. Comment tu peux me demander, tu n'as pas regardé? Comme nous sommes ensemble dans oui, dans si, la chambre. Même si. Mimi. Même si nous sommes ensemble, quand quelque chose perd à la maison, tu regardes d'abord. Il faut chercher d'abord. Est-ce que même enrhumé comme ça? Tu sais, il y a le médicament. Ça, c'est fini. Hein? Tu sais que ça, c'est fini. Puis je dois aller même au magasin là. Tout de suite. Le sol est ardent d'abord. Eh, c'est pas ta maman qui vient comme ça? Je ne l'ai même pas vu. Ça, c'est Hadjarougi. Hadja. Donne-moi la saison. Imra. Hein? Ça va, Hadja? Ça va. Vous allez bien? Ça va très bien. Quel âge? Il va bien. Ça va ici? Ça va, Merci, Doué. T'en as ça là. Ça fait longtemps qu'elle ne vient pas chez moi. Nye. Ça va? Ça va, l'homme. Tu t'es pas croisé avec Mako, hein? Mm-hmm. Elle vient juste de sortir pour aller au marché. Ah bon? Mm-hmm. Je n'ai pas vu. Ça va? Ça va aussi. Mm-hmm. Ça va, Je Traoré? Non. Folie, tu n'as pas bon l'homme. Ça va. Et bien, il y a Aldala et Antelendo. Djoumante. Kana. Bougna la sema. Et quand le kuno, et quand. Fin de don, mimi boulot. Et quand on dit d'abord, on a dit. A dit à Ragna Féo. Nani, vous voulez barakabla di à lui. Vous voulez ça. Ah, bon, mimi. Ça dit ce que moi je veux. Quand je fais quelque chose à ta mère, il ne faut pas qu'elle vienne remercier ça. Franchement. C'est-à-dire, c'est mon devoir de le faire. Oui, ça hein? C'est vrai. C'est mon devoir de le faire. Tu vois, quand je fais pas quelque chose à la famille de Mimi, à qui je dois faire? Personne. C'est gratuit, maman. Ça, c'est gratuit. Ça, ce n'est rien, maman. Il fallait même pas venir prier sur ça. Voilà, il faut même pas venir sur ça. Sanadou. Abonné. Quand on a l'outil, ça n'a pas fallu la sonde. Il y a un coup de temps. Il y a le non Non, pas de mea, anonyme. Crucie au Jana Belendo. Au Jana, solabor la la crucie la laudi. Ah, pas de mea, anonyme. Allez, les kintibilaya. Malou, non, pas de mea. Maman disait. À chaque moment, je le dis. Ma belle-mère. Mais ce cabre, non,
Asuma. Attends, Sondé. Attends, Dabila le fait. Eh, Adra, Dabila. Attends, Dabila le fait. Ah, Dabila fait. Et puis chaque fois. Et Cameroun, non. L'autre jour. C'est là, pas. L'autre jour encore, quand Cameroun est venu, en partant dans la voiture, Cameroun m'a dit ton boy là, comment il. Mba, où est-ce que tu es là? On va rester un peu, maman. On va rester un peu, maman. Ça m'a un peu, maman. Et quand on s'est dit qu'on est en train de se dire là. Ah oui, oui. Ah, maman, au revoir. Tu peux pas laisser. Connais Mimi. Mba, Traoré, quoi, Mbra, où est-ce que tu es là? Il te semble là, c'est là, là. Ah, alors. Oh, maman, merci. Hein. Bien de choses à l'âge. Ah, ouais. Eh. Eh, Sana, quand je dis à Sana, il faut, c'est-à-dire, non, tout le monde parle de son comportement là. Fatou, Fatou. Oui. Viens. Je suis prêt pour partir. Maintenant, je sais que cette affaire-là, c'est au sérieux maintenant. Allah Akbar. Tu sais ce que je veux te dire? Il faut faire beaucoup attention. Arriver là-bas, je jure. Sinon, tu vas récolter. On dirait que même il est dérangé. Wallahi. S'il est dérangé, moi je vais le régler. Parce que moi je sais comment je vais quitter là-bas. Ce que j'ai à te dire, il faut veiller sur la maison. Surtout les bananes qui sont derrière. Je n'ai pas que tu laisses ça aux enfants, Igat. Hein? D'accord. Si Ousmane est devenu caïman, moi je vais devenir crocodile. Hein? Oh. Moi en tout cas, c'est fini entre nous. En tout cas, veille sur la maison. C'est fini. Bien. Il n'a qu'à chercher une maman. Si ce coup vient, dis-le que je suis à Conakry. D'accord. Bien? Oh. Moi je vais le régler là-bas. Oh. Un enfant, le bon caca même n'est pas fini dans sa veste. Oh, Awa. Tu vas trouver ton fils là-bas. Monsieur Traoré, bon. C'est qui? J'ai réuni quelques sommes. Bon, après demain, je vais amener le reste. Parce que Salon. Mes clients... Salon. Et puis c'est l'autre... Salon, écoutez. Salon. Chaque fois... Mais attends. Monsieur Traoré, je ne peux pas être fatigué ça. D'abord. Depuis qu'on a commencé les affaires, est-ce que j'étais fatigué? Mais écoutez. Mais cette fois-ci, j'ai. Écoutez, chaque fois que je te donne mes marchandises, c'est comme ça. Camara, avant-hier, il a déposé ses... tout. C'est-à-dire, je ne veux pas. Non, je non, veux non. Pas discussion bon, entre toi quant et moi. À Camara, je sais. Bon, je sais. Sano, je ne veux pas discussion entre toi et moi. Voilà ce que je te dis. Tous les marchandises que je dépose avec c'est toi... C'est deux personnes qui m'ont pas remis l'argent. Mais je te dis une chose, affaire c'est affaire. Et... Quand tu as ta affaire, c'est l'argent. Patron, ouais. Ton père est déjà là. Qui? Ton père. Qui est ton père? Salam alaikum. Papa. Bonjour. Ça va? Ça va mon fils? Oui. Ça va bien? Ça va très bien. Papa. Ne me salis pas. Et quand vous êtes... Ni au foyer. Le bêtise que tu as fait à ta maman ici, il m'a tout raconté. Comment? Hein? Comment? Et puis ne me répète plus le mot là, c'est de dire comment? Regarde-moi ça. Hein? C'est moi qui t'ai né. Tu n'es pas, j'ai pas venu et tu te fous de moi. Imbécile, ouais. Tu es malade? Je sais très bien. Qu'est-ce que... Il y a mon père qui est venu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Mais c'est lui qui crie ici. Hé, ne répète plus rien. Hein? Tu peux les bénir avec ton mari. Elle est seule, regarde-moi ça. Ah. Hein? Si j'ai pas la paix, avec mon enfant à côté. Tu vas pas mon fils. Tu vas pas Hein? Mais attends, Traoré. Hein? Laisse-moi. C'est ton papa, non? Mais laisse-moi. Allez, pardon. Hein? Chérif, commandant chérif. Je vous en prie, amène-moi trois policiers. Hein? Il y a quelqu'un qui me menace ici. Ah! C'est ça.
Moi, policier. Mais, oui. Attends, policier. Oui. Traoré. Elle est sur le Papa, je t'en prie. Cassia. Mais attends. Quitte. Retire-toi du problème. Non, je te fais sortir. C'est ton papa, non? Si, c'est mon papa. Et après? Et après? Là, il a. Où est ton problème, madame? Lui, doit te frapper. Eh, alors. Sors. Il doit te frapper. Je vais te faire sortir chez moi. C'est ça. Où est ton problème? Tu es le seul. Le camp, escroc. Mais madame Gasson. Il va te casser. Ah, papa, où est il faut te réfléchir. Eh, alors. Mais ça, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Ça, c'est ton papa. Et alors, tu veux pour avant moi? Tout, c'est ton papa. Dieu, tu as vu? Il faut le respecter. Dieu, tu as vu? Moi, j'ai appelé. J'ai appelé les tu manques le respect. Ah, Dieu a foutu qu'un manque le respect. Manque le respect. Regarde-moi, l'escroc là. Et puis, attends. Entre toi et moi, c'est fini. Entre toi et moi, c'est fini. Non, c'est pas dans notre affaire. Je dis, c'est fini. Quand même. C'est ça. Toi, tu n'as pas mon fils. Ah, papa. Tu n'as pas mon fils. Laisse tomber. Il est. Calme-toi. Mais ne vous fallait faire. Calme-toi. Laisse-toi. Il n'a que rien quoi aussi. Frappe ma femme, frappe moi aussi. Non, il faut faire sortir le vieux là. Ah, papa, ne touche pas ma femme. Attends. Ne touche pas ma femme. Ne faut pas que tu touches ma femme. Ne faut pas que tu touches ma femme. Dis-moi, mon père. Il faut partir chez toi, Yandi. Sorcier que tu es. Attends, tu peux me manger. D'accord. Traoré. Je te vois. Sana, Traoré, je lui laisse lui. Traoré, laisse-moi. Mais attends, laisse-lui non. Non, laisse-lui. Il faut le gérer, il n'a qu'à partir. Le vieux là, escroc. Va, va. Patron, comme c'est ton père, on doit. Je te dis, ça va. Va. On dit, Gabi. Va. Va. Où habite Traoré, est-ce qu'il y a des problèmes? Sano, sort, je vous en prie. Ici, c'est chez moi. Il n'y a pas de. Je dis, sort. Sortez, Andy. Regarde-moi ça, escroc. Mimi. Parlons ce que mon père a fait. Parlons, je t'en prie. Salam alaikum, chef. Calme-toi, patron. Calme-toi. Si tu vas aujourd'hui, on dit Traoré à droite, Traoré à gauche. C'est grâce à ton père. Dire à ton père, oh seulement. Après. Dieu a beaucoup condamné ça. Ça dure. Ce que je vois chez toi ici aujourd'hui, patron, c'est vrai. Mais quand je vois quelque chose qui va te faire mal demain, je t'informe directement, mon patron. Qu'est-ce qui va me faire mal? Dieu l'a dit. Innamal mu'minina iqwa. Inna allazi kafaru madul majahannamati wa'ada. Inna la zikati duhadi wal hadal nazinati al wahadala wadanana wadatitna wada adahammikana al waadi wanna la zaiku wal kunta lil jahannama. Patron, nous on a assez, hein? Patron, si tu vas fais pas attention, tu vas au l'enfer. Quoi? Si tu fais pas attention, tu vas au l'enfer, patron. L'enfer, moi? Toi, patron. Maintenant, je comprends ce que tu veux pour moi. Ah. Tu vas quitter ici. Je ne dis pas tu vas quitter... Il faut sortir. Attends, attends, attends. Je ne dis pas tu vas quitter à Conakry. Mais dans ma maison, ici, c'est moi qui commande ici. Calme-toi. Tu vas laisser ici. Calme-toi, patron. Dieu, tu entends maintenant. Allez, sors. Patron, dis aussi. Allez, sors. Mais quand... Moi, je dis sors. Attends, patron, je dois quitter chez toi. Mais je ne peux pas quitter chez Dieu. Moi, c'est pas mon problème. Pas. Allez. Ok, au revoir, patron. Bah, va. Mais tu verras. Moi, je t'ai pris comme mon jeune frère. Tu verras ça un jour, patron. Allez, allez. Tu verras ça. Il y a du full cas. Fais n'en que tu es. D'accord. Mimi, viens. Viens. Regarde-moi les ramassés, là. Fatou. Ah, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah, hein? Tu es de retour? Je suis de retour, je viens de retour pas à la maison. Ah bon, salut. Prends une place, assieds-toi. Je savais ça. Ton enfant n'a pas gâté, il est pourri. Ah. Il est pourri, le maudit l'a attrapé.
il est maudit. Et tout le sacrifice que j'ai fait, déjà, tout est baissé dans le lot. Tu vois? Lui, il est foutu, hein? Ça, c'est fini pour lui. Fatou, moi, j'ai été là-bas. Il n'y a pas de bêtises et de foutaises que Ousmane m'a pas fait. Il m'a pétité devant tout le monde là-bas. Bonaké la malanka, même un petit sou de lourd, il n'est pas mis sur moi. Ousmane ose à me dire, papa, ce que tu veux, va au village, et tout ce que tu me demandes, je vais t'envoyer là-bas. Un enfant que j'ai né, que j'ai... Et là. Mais sa femme, là, j'ai giflé. Et... C'est le docteur qui va un coucou de sa bouche. Non, sa femme, là, elle a dominé. C'est fini, il a dominé Ousmane. Wallahi, il a même appelé les polices contre moi pour m'arrêter. Et Billahi. La ilaha illallah. Ousmane, il est policier, t'es comment? Nda, il a Ousmane, la connaît le casseau. Ni ma fa, foi ma kenna. Nda, il a Ousmane, la bonne yandi. Djan. Nde, sarani. Aïla Kola Bilate, Ayende Basabra. Ayawa de Pril, il est ta kawa te de police là. Quoi, enfermez la police là. Il va connaître qui je suis cette fois-ci. Je ne vais pas laisser Ousmane comme ça. Tu connais pour toi. Moi, je suis l'homme. Pour moi, c'est ici, dans mon cœur. C'est ici. La Hokubaro. Aujourd'hui, tout le monde dit que. Traoré. Mais demain. Grâce à qui? Ah, attendez. C'est pas nous. Mais demain, Inch'Allah. Et vont de Wureta. En tout cas, moi, je ne laisse pas pour moi. Je ne parle pas. Ce qu'il a fait, voilà, je ne laisse pas. Ça, c'est clair. Il est foutu de moi. Il est dominé par sa femme. Je rentre. La courte là. Je ne peux même pas parler. Hé, prends la sac. C'est qui? C'est moi. Ah, rentrez. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Un corps vraiment cadet que tu m'as. Quand il y a un papa. Traoré! Traoré! Non. Rentrez. Tasse. Il va voir. Je vomis, je vomis Ousmane, je ne veux plus le voir. C'est pas mon fils, il ne connaît pas, je ne le connais pas. Là, il faut lire ça d'abord. Peut-être il a envoyé ça pour nous plaider pour lui. Il a envoyé ça pour plaider. Peut-être, tu ne sais pas, il faut lire. On va marcher. De voir cet enfant. Il y a mot de sous de à la badima. Mon cher père, c'est à la part de votre fils, Ousmane Traoré. Je vous salue très bien. Je salue toute la famille. Sans oublier mon jeune frère. Sans oublier aussi vos voisins. Je vous écris cette lettre pour vous informer que j'avais envoyé ma belle-mère à la Mecque. Son retour sera le vendredi prochain. Je vous invite à venir pour l'accueillir. Vous savez que ce que Mim me fait, le comportement qu'il me fait, c'est pour cela que j'ai envoyé sa mère à la Mecque, pour la récompenser un peu de ses bienfaits. Je vous remercie.
pas un dessert. C'est plus que foutaise même. Ah bon? Tu sais ce que ton fils a écrit ici? Non, non, non. Hé! Qui est mort? Maman, désolé, n'a voulu même pas. Qui est mort? Parle-moi. Ah! Hé! Ton fils m'a pas envoyé à la Mecque. Du tout. Toi, Fatou, toi qui as souffert 9 mois dans ton ventre. Hey. Tu l'as mis au monde. Tu l'as né. Il t'a pas mis à la Mecque. Il pense même pas à ça. Regarde les bêtises qu'il a écrites. Qu'il a envoyé sa belle-mère à la Mecque. Que sa femme avait beaucoup de biens. N'y a-t-il même pour ça. Hé! Hey. Comment toi, tu vois ça? Hé! Mon Dieu! Hé! Fatou! 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 Alors, Fatou! Fatou! Hé! Fatou! Hé, monsieur! C'est moi Traoré, Fode Traoré, Ike, et Mousso, Fatou. Oh, mon Dieu, c'est comme ça. Oui. C'est ça que je m'en déjà fait. C'est bien. Kolo Wallahi, Billahi Talahi, Ousmane, c'est fini pour toi. Ce que j'ai à mon cœur, Wallahi, tu récolteras ça. Inch'Allah. Eh, vous voulez. Mousso, rentre-moi. C'est ça que Dieu a voulu. Mais Inch'Allah, Ousmane va voir ça. Il va voir ça dans son table de récréation. Même Didier Wike, Afa yere ambe gusui la. Oh, ni da men mai yo foni maba. Ni a fele ka fa, fin mai ni a fele ka la tuju do ya befo. Ele casou com a membra de uma fa facei. Tão louco morro, gente.
Oh, fais de la brabe, Nabidina. Eh, bah. Ah, Eden Traoré, donc à Tumara Boulab de Kenyana. Eh, on va voir de Halikila. Oui, ma lonente à Boulab de Kenya, Bramomili Sagne, à l'île Lonente, à Nabid, à Namoussou, Dunia Dia Kanti, Altamin Folenyon, Nyafa. Afa. Abidamusu Fanabrasse, au Brabo, Naka, Bidou, à Cameron, à Candy Bonko, Mamuru, à Momukram, à New Bedeka, Yoho. Ya lon Traoré, Nika, Niman, et Missa Otomanda, à Fanyafi. Et Missa Lamfa. Et Missa Phil. On est Bramfa. Nimna, à la terre, mais il est boule là. Il est là. À quoi c'est quoi ça va? Traoré. Ne le toque ma mine robo, hein? Awa. N'tamo fala, mais va mine encore en okinya, hein? Awa. Travole l'étani. Allez, les gars. Amusole tani. Lele. Anabomina la brèque en l'étani. Ailabon. Abrèque l'étanche kunendi. Allez, amusole tani. Et mal à mon mikudae. Mba yoa ya blagiro, ba blagiro, c'est minute mon bruit de ma tarola cobra ban. Minute mon bruit de ma tarola cobra ban. Awa. Travole l'été. Minute mon bruit de ma tarola cobra ban. Et ba blagiro, le genet de mon accord, la tarola brèque fredi. Ne le toque ma mine robo. On est fa, on est vraiment fa. Et quand on sera de ma photo, le baban tout là-haut. Bah. Avant, n'y a pas qu'à. Mara, c'est la dima. Bah. N'y a pas l'eau, n'y a pas. Avant, faut aller au milieu. Awa. Halabadi, allez, faut assumer. Awa. Traoré la coupe banane d'audi. Vous dites le malheur comme aoulé. Kata kadi nyufa koma ni jufa koma ma. C'est qui? C'est bien moi. Allô, madame Traoré, comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui, ça va ici? Ça va. Tu vas bien quand même? Un peu. Ça va ici? Ça va. Et M. Traoré? Monsieur Traoré est décédé. Quoi? Il est décédé. Ça fait 6 mois de cela. Et? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ambadie est grand. Je ne savais pas, madame. Tu sais que Monsieur Traoré me doit 8 mois. Je suis là pour ça.
Mais je ne sais pas qui ça dit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, ça dépend de Dieu. Tiens. Alors, ça, c'est de ma part, ça, madame. Merci. Mmh. Merci. Au revoir, madame. Oh. Madame, le repas est fini. Viens ici. Viens. Bismillah. Ce que tu as fait ici, il ne faut plus le répéter. Tu as compris? Quoi ça, madame? Tu penses que tu es l'avocat entre moi et nous, madame? Je ne connais pas le travail. Escroqué, tu es. Hey, madame. Es-tu devant moi? Madame. Tu ne quittes pas devant moi. Madame, laissez-le. Laissez-le, madame. Laissez-le. Madame, tu me feras pour toi. Qu'est-ce que c'est, madame, toi? Pourquoi tu me feras pour toi? C'est quoi? Tu me feras pour quoi? Sana, qu'est-ce qu'il y a? Sana! Sana, hé!